Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve enfin sur Breath Edge, 18ème épisode, on est dans le vide de l'espace, on reprend après une petite pause, j'en suis navré, mais j'étais parti sur un autre jeu d'enquête spatiale, Deliver Us the Moon. Ça y est, donc, on en est où? J'ai de vagues souvenirs, j'ai relu vos commentaires, on va commencer par un truc vachement important. La base, j'ai ramené quelques ressources qui étaient pour l'instant juste à la navette là. On va voir ensemble ce qu'on va faire tout de suite. Et la première chose, merci à Papa le Bator et je crois aussi à Miro René. Comment réparer la moto? Pour ça, hop, c'est bon. Le réparateur. Et c'est tout. Je crois qu'il fallait le blueprint, enfin quelque chose qu'on en craftait, mais non. Regardez, durabilité 42, 62. Ah, mon stress de perdre la moto. Mais non, c'est bon, c'est excellent. Allez, on rentre dans la base. Maintenant, avant de se promener à l'aventure, on se souvenait que dans le dernier épisode, j'ai découvert un truc bizarre avec des drones de surveillance. On va y retourner. J'ai regardé la vidéo, j'ai réfléchi un petit peu. J'ai aussi un retour de commentaire de Julie Kinjou qui m'a dit « Le scanner est igné à l'œil ». Je te spoil un peu, mais il faut revenir au début de zone. Donc je pense qu'on n'a peut-être pas vu tous les cadavres d'astronautes, de cosmonautes, puisqu'on a la mode soviète, rétro, c'est top. Je sais aussi qu'il y a beaucoup trop d'icônes, mais c'est le jeu qui est comme ça, ma pauvre Lucette. On va le faire un peu. Bon, on avait fait un module électrique, un module d'oxygène. Mes petites ressources, vite fait, faut que j'en revoie avec vous. Première valise. Ok, on a donc des câbles de tissu, de la résine pour faire du carburant. Je sais pas pourquoi j'ai pris tout ça, mais vous allez voir après. On a de l'essence, tiens. On va reprendre un peu d'essence. Ça, c'est vu. Clac. Le titane, un peu de métal, un peu de plomb, c'est un peu la misère. J'ai fait des valises en métal, c'est pour ça que j'ai crafté pas mal. De la flotte. Il va falloir de l'eau. Côté nourriture, je suis pas inquiet. J'ai une pharmacie sur moi. Là, on a des gadgets en tout genre. On a par exemple le doigt de l'ingénieur, qui servira sûrement. On a aussi le passe ingénieur, je sais plus pourquoi. J'ai repensé au gros vaisseau qu'on a explosé. Faut revoir, ça donne accès peut-être à quelque chose. Là où on décrypte en fait les données aussi de cercueil. Des scanners, j'en ai de 15 et 2. Ouais, on garde. Casseur, 14, 35. Je regarde un petit peu. Passe-partout. Pince. J'ai du matos sur moi, ça prend de la place. C'est de la folie. On a un ballon d'oxygène aussi. On a, attention, ça c'est générateur d'oxygène. Ok. Donc, on verra. Pour l'instant, c'est bon. J'ai fait le tour de l'inventaire. Dans les commentaires, j'ai une surprise quand j'ai ramené les ressources. Je vais parler moins vite, je suis tellement content de revenir dessus. Un message de Beb. Voilà, je détecte le signal d'un garage intact. Peut-être qu'il y a une voiture là-bas et que vous pourrez voler directement à la base pour sauver tout le monde, bien sûr. C'est étrange. Est-ce que c'est la voiture qu'on voit justement dans le trailer de la bande-annonce du jeu? On a des objets qu'on a découverts. Ouais, on regarde un peu. Bon, là, c'est les collecteurs, tout ça. Je pense qu'on a fait le tour. Bon! On a une nouvelle mission, fabriquer une station, une table de recherche. Si vous regardez en haut à droite les tâches, rayonnement faible, je sais toujours pas ce que c'est. Lancer la navette dans le noyau, c'est une bonne blague. Entrer dans le biomodule, on va essayer de le faire si on a le temps aujourd'hui. Mais déjà, on va finir le craft. Je me garde la pièce là-bas. Peut-être plus comme chambre. Et ici un peu tout, donc on rentre. On va peut-être le faire ici. Construire. Compartiment. Table de recherche, vous voyez, 3 alus, 2 rubans, 2 résines, 1 titane. J'ai tout mis dans mon inventaire juste avant. Petit malin que je suis. Et je confirme. Ça marche. Et par contre, je ne sais toujours pas. Hop. Je ne sais toujours pas quelle quantité d'énergie ça prend de tout. Est-ce qu'on a ici une idée? Et Beb a écrit. Beb, j'ai pas encore vu ton message. Décidément. Je vois des requêtes sur la base de données du paquebot. J'espère que vous ne cherchez pas des informations classifiées qui pousseront l'équipage sauvetage à nous tuer. Mieux vaut ne pas télécharger quoi que ce soit et vous directement au noyau. Ah, parce qu'on avait exploré. Alors, la table de recherche, bonne nouvelle. On a le processeur. Ah bah c'est bien, on va tout de suite faire de l'eau. Parce que voilà, c'est comme ça. Hop. Encore un peu d'eau. On est bon. On a un peu faim, un peu soif, 40. Voilà, gentil, relax. Et j'ai des ressources encore sur moi, peut-être... Oh mais respire doucement, doucement, voilà. Je crois qu'on pouvait faire des trucs sympas en décor, alors pas le planteur pour l'instant, j'ai pas envie, plancher. Voilà, je voulais faire le piano, et je voulais faire la machine à eau. Alors la machine à eau,
Ah, on pourrait la mettre dans l'angle. Tourner. Ouais, on va mettre dans le bon sens. On va la mettre là. Est-ce que ça va être stylé ou pas? On confirme. Ah, c'est bon. Je peux avoir à boire ou quoi? Non, c'est de la déco! Ah, horreur! Non, t'es sérieux? On va crever de soif en déco. Bon, c'est pas grave, c'est quand même sympa d'avoir ça. Et du coup, le piano, bah, je vais le faire dans la pièce principale d'habitation pour l'instant. Il fait du bruit quand il marche, hein. Je dois avoir assez pour faire le piano. Ouais. On va le mettre comme ça. On va le mettre par là, voilà. Et ça, c'est un luxe. T'es dans l'espace, tu crèves, t'as rien, mais t'as un piano. Bon, bah, on peut pas faire comme le trailer, je peux pas taper des notes. Ah là là, mais c'est quand même sympa comme tout. Est-ce qu'on a d'autres choses? Module d'habitation, c'est fait. Ça, c'est bon. Couloir. Le tube pour les hauteurs, on verra. La recherche, c'est fait. SAS. L'interphone, il faudrait un kénotron. Générateur titane plastique. Ok. Donc ça c'est vu, la télé, bon. Kénotron aussi pour la télé. Tissu métal pour la chaise. Tissu métal, ouais. Ah, on peut faire électronique plastique. On peut faire une radio. À la limite. Je la tourne comment? C'est vrai qu'on visualise mal. Ouais, je prends mon temps, la retrouvaille avec vous, voilà. L'antenne part derrière d'après l'image. Ok. C'est aussi une déco? C'est une déco. Donc bah écoutez, on va se prendre l'interphone. Un générateur, un titane, un plastique et un kénotron. Ok, on va aller voir ça ici. Alors, inducteur, un compensateur, un kénotron, c'est électronique, deux verres et un câble. Donc il faudrait deux câbles, deux métal, deux électros, deux verres. Ouais. Je pense que c'est indispensable pour la suite. Chercher la combinaison spatiale d'ingénieur électricien. Ah, j'ai ça aussi. Électronique, oui. Ça, on l'a pas demandé. Non, pas ça non plus. Je veux du métal. J'en ai que un. Là, c'est la nourriture, évidemment. Là, c'est les gadgets. Donc là, normalement, non. Électronique, c'est rare, ça il faudra que je prenne sur les. D'accord, c'est vraiment rare. Un alcali, deux verres. Oh, décidément, ça me coûte cher. J'ai un kit de construction. Faudra peut-être regarder aussi la combinaison après. On va pas lancer les crafts, je vous rassure, je regarde juste un peu. Il manque deux métal. D'accord. Par contre, objets, ressources, équipements. Un distributeur, lorsque vous êtes à court de ressources, sans ce que risque de décès de blessure grave, soit faim, fatigue est élevée. Oui, ça c'est pour crafter la maison, d'accord. L'anéantisseur de sol, je sais pas trop. On avait fabriqué aussi une grenade, c'est vrai. Je crois, ou un explosif. Volant 2 sur 4, explosif. Voilà, j'avais fait un explosif. Je sais plus où je l'ai rangé. Ok, et la table de recherche. Eh ben, allons voir, puisqu'on parle de la combinaison spatiale de l'ingénieur. Ah oui, il veut que je fasse ça. Il faudrait un rouleau de tissu, peinture au plomb et deux alus. Ok. La peinture au plomb, par contre. Oh, je l'ai pas. Je ne l'ai pas du tout.
Ça va attendre, ça va attendre. On ira rechercher que la moto, tiens, on va retourner quand on ira pour l'œil. Ça va être le truc. Non, là, on revient plutôt sur nos objets. Ok, il me manque donc l'alcali et deux métal. Donc je repique. Je suis désolé, hein, faut que je m'habitue un petit peu. Et il me faut deux métal. Et j'en ai que un. Bon, on va en extérieur. Donc ça, c'est cool. On est enfin dans le jeu, quand même. Où est-ce que je pourrais choper du métal? Ah, puis on voit les impacts dans la roche au loin. Très, très bien. 150 d'oxygène. On revient là aussi. Alors j'ai réduit la qualité des ombres hein, pour pas faire laguer le jeu. Faut savoir que le jeu, je le plante énormément en chargement. Je me suis dit que c'était trop gourmand. Pour l'instant, j'ai pas encore augmenté la mémoire vive de mon PC. Il faudra que je monte à 16 Go évidemment. Et on n'avait pas trouvé le moyen, tiens. Je reviens un peu dessus, je regarde avec vous. Il y a des choses là-dedans pourtant. Je joue comme ça, mais non, on n'a pas de moyens. Comment on pourrait? J'ai pas trop pris le temps, mais là on est bien, 88. Ça oblige à réfléchir un peu. La moto est là. Il y a les paraboles, il n'y a pas d'accès. Par en dessous. Comment ça se passe? Non plus. Et on n'a pas l'icône de caméra ici pour scanner quoi que ce soit. Très très étrange. Et on voit juste ces télés, ces écrans. Je regarde un peu la pièce. Ouais non, je peux rien faire. On peut rien faire pour l'instant, c'est bien ça. Et je vais manquer d'oxygène. Allez, on commence par faire des bêtises, ça va pas. Ou alors on fonce directement à l'entrée chercher tout ce qu'il nous faut, du métal. Non mais je voudrais vraiment faire mon intercom avant. Ben, 28 secondes, on refait le plein d'oxygène les copains. Voilà. Je sais que c'est pas illimité. Voilà, on va le laisser faire. On a donc le casseur, réparateur, passe-passe magnétique. Ouais. Pourquoi pas. Eh oui, viens. Voilà, si j'ai oublié de couper ça à l'ellipse, c'était mon petit Nelson qui passait. Bon. Alors, est-ce que j'ai besoin d'autre chose en outils dans ma poche? On va peut-être d'ailleurs laisser des outils à l'abri, j'aimerais pas le perdre. Qu'est-ce qui est précieux en outils? Le distributeur, justement. Pour l'instant, le distributeur, on va le laisser là. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Si vous savez à quoi sert l'analyseur de sol, honnêtement, je serais content. Allez, il nous faut du métal. C'est bon. On peut aller voir en bas. On réexplore un petit peu l'environ, hein. L'épisode fera plus que 30 minutes, c'est une reprise en main, ne vous inquiétez pas. Tiens, là il y en a. Est-ce que je peux prendre le casseur? Non, il faut que je descende de la moto. Voilà. On fait un tout petit peu de farm. Voilà. Du coup, l'aspirateur roquette remplir. On a fait le plein. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh, on va faire un peu de récolte, quand même. Je crois qu'il faut la perceuse.
Voilà, l'aluminium, j'y tiens. Ça, c'est bon. Alors, on regardera aussi dans le table de recherche, on peut pas augmenter l'oxygène, ça serait pas mal. Ok. Donc là, on a la navette qui éclaire bien. On a des choses encore à casser, là. Ça, c'est un peu trop souvent les cisailles. Et mon casseur est cassé. Ah oui, il y avait des choses vraiment à explorer encore ici. Alors là on a du tissu. Encore une cisaille, punaise. 47 secondes tech. On va faire les 3 containers. Alcool, ok, ok, ok. Dans ce boui-boui, ma bécane. C'est pas ce que j'aurais voulu. Voilà, on reconnaît le logo. On fonce 20 secondes. J'ai fait le kéké. On a le booster. 10 secondes. Tech, dépêche-toi, tu vas perdre de la vie. Pas grave. C'était bien joué. Bon. Normalement maintenant j'ai tout. Ouais bah je vais peut-être pouvoir récupérer finalement. J'ai joué la prudence hein, mais le distributeur. Voilà. Il est ici. En fait c'est un gros rouleau de scotch hein. C'est tout. On scotche les gars. Alors je dois avoir ce qu'il faut. Il me faut le générateur. J'ai le métal pour. Alors, le construction, c'est quoi? Alu, pneu, résine, titane. C'est facile à faire, ça. Plutôt, le kénotron, deux verres. J'ai des souvenirs d'enfance là-dessus. Je les jetais contre les murs. Je me souviens que mon grand-père m'avait expliqué quoi? 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 Ah bah, évidemment. On a du message maintenant, on peut même pas les reprendre. Cool. C'est pas grave. Où est-ce qu'on va faire l'intercom, si on peut ici? Compartiment. Il me manque un titane. Bon, il n'y a toujours pas de musique, c'est pour ça aussi, ça me perturbe. Titane, titane. Non, perdu. Alors, est-ce qu'on peut faire l'interphone ici? Il semblerait que non. On peut mettre l'interphone là. Ça marche. Est-ce qu'il y a des fuites? Ça a l'air d'aller. On est bon. Déchiffrer l'enregistrement. Ah, c'est cool. J'ai pas besoin de retourner. Je n'ai vraiment plus besoin. C'est le décodeur comme dans le vaisseau. D'accord. Ça, c'est la grande nouvelle. Bon. J'ai looté tout ça, on va le ramasser. On va aller à la chasse maintenant. Alors on revient un peu dessus. Je garde juste ça. Ici je peux mettre du tissu. Ah mais je vais ranger les cisailles. Voilà. Plutôt ici, ça va aller très bien avec le tissu. Le plastique ça va là. On se fait un micro rangement les copains. L'aluminium, oui. Ça c'est ok. Ma perceuse est comment d'ailleurs? 4. J'ai pas une grosse perceuse, ça m'embête un peu. L'aimant. Et puis on va mettre les deux métaux là. J'ai qu'un seul casseur. Oh, c'est pas grave. On va laisser le gadget de construction à l'abri. Non, tu veux pas? Ah oui, non, mais d'accord.
J'ai perdu des réflexes, c'est plus dans la barre de menu. Ça, c'est bon. Et là, on a du scan. Bon, bah, ça me semble correct, ça me semble bien. On va faire un micro-enregistrement par sécurité. Tac! Voilà! On a faim, on a soif. On va reprendre un petit peu, peut-être, par sécurité aussi. Quoique, si je retourne du début, j'aurai largement. Hein. J'aurai largement. Je refais peut-être une bouteille d'eau. Allez. Ça, c'est fait. Et si, il me manque l'explosif. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'explosif? J'avais crafté ça. On va récupérer ça. Le kit de construction, on va peut-être le poser. Le passe, je prends pas. J'ai l'explosif, c'est bon. En utilité, on va laisser le kit de construction. Est-ce que j'ai pris mon générateur d'oxygène? Voilà, ouais, je suis vraiment bien chargé, hein. Je suis full en tellement de trucs. On va laisser l'alcool là, évidemment. Non, ça me semble correct. Ça reste bien, c'est une petite explo. On est parti. Presque. Vous allez dire, mais tech, tu sais pas ce que tu veux. Si, mais je veux voir un truc en recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Le blaster. Titane électronique, métal affiné. Oh, il faudra beaucoup. Casseur amélioré, il faudra 4 barres de métal. Le grattoir, pour racler les chewing-gums séchés. Le chewing-gum, pour arrêter les fuites et les interlocuteurs. D'accord, il faudra de la résine. Avec 4 résines, je peux faire de la recherche en chewing-gum. Titane, acteur, compensateur, accélérateur, obsolète. Ça, c'est top. 4 titanes au lieu de 2, en double. 2 inducteurs, 2 compensateurs, pour monter à 100. Bouteille d'oxygène militaire. Ouh, 4 électroniques, 2 compensateurs, 2 générateurs. Il faut que je ramène de la peinture au plomb. L'aspirateur, on peut faire de la recherche. Générateur, inducteur, compensateur, lycoplasma. Je sais pas ce que c'est le lycoplasma. Le véhicule ZAZ. Oh, punaise. Peinture, pneu. Ouais, mais c'est fou. C'est complètement fou tout ça. On va essayer de faire une recherche en chewing-gum quand même avant, vite fait. 4 résines. Comment ça marche la recherche? Voilà. Allez. Et c'est parti pour 3 minutes. D'accord, il y a un timer. On va le laisser faire. Et nous, on va essayer de pas mourir. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça me plaît. La musique revient. On va passer par là. Je vais pas forcément casser, mais je vais regarder si j'ai pas du métal à choper, tiens. Des fois, il y a des petites particules. Titane. Là-dessus, il y a du plastique. Là, il y a de la résine encore. J'ai mon petit chat d'espace qui vous dit bonjour. Tu veux venir avec moi? Mais oui, mon Nelson. Excusez-le, il est câlin à cette heure-là, c'est normal, ça approche de l'heure de repas. Je dis pas le mot interdit. Plan du couloir, on l'a fait, ça. Ouais, ça me revient. Je suis bloqué. Ok, on virevolte, on rigole un peu. Il va falloir que je me refasse les plans pour savoir où je vais. On était là, et là c'est l'entrée, ça me revient totalement. Faut un petit moment, mais ça va être bon. Hein. Là-bas où on a exploré, oui. Tout à fait. Alors, je n'ai plus les marqueurs. Marquer la combinaison spatiale, débris de vaisseau. On va activer les stations. Hein. Tellement d'icônes. Ah
Ah, je me trompe. Oh là là. Activé, activé, activé. J'ai pas le chrono d'oxygène là. 53. Module de lait. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas très clair. Il y a un problème d'icône là. Attendez, problème de traduction. Ah bah là on a de la musique. Voilà. Recherche terminée sur le chewing gum. Ressources composites. Ah bah voilà. Peinture au plomb. Non, toujours pas. Je le vois pas. Je fouine un peu dans les crafts. Mystère. Mystère. Bon, on revient là. Alors, c'est plutôt ça. Quand je suis comme ça, c'est activé. Là, c'est désactivé. Donc, hop. C'est mon erreur. Allez, on remet tout. Ça va être le bazar. J'avais mis des codes couleurs en oxygène. Ok. Voulu, on aura tous les icônes d'un coup, ça va faire mal. Hein. Ça va faire très mal. Je remonte. Tout est open. Ouais, tout est revenu, c'est bon. Bon, toi, t'as rien à me donner, petit cadavre. Non. Allez, on veut un œil. Ici, j'ai tout nettoyé. Normalement, bon, il reste un peu de jeu de nourriture. Et là, il n'y a plus rien. Bon. On va aller jusqu'au bout. Et là, est-ce qu'il y a de l'électronique ? Vide, vide, ok. Voilà, le capitaine était là. Bah nous on fonce. On va revenir dans la première zone. Donc là j'écoute Julie. J'espère que j'ai trouvé l'œil. D'avance merci. On a encore de l'oxygène. Est-ce que je longe la partie gelée? Oh, tiens, j'en ai un là-bas. À 1000 mètres, celui-là aussi, 800. Là, c'était la zone de peinture. Je suis pas sûr qu'on retrouve de la peinture tellement. On va se balader un petit peu. Petite reprise en main. Je regarde un petit peu là-haut aussi, la partie gelée. Ouais, mais on pouvait rien faire là-dedans. C'est fait exprès. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes encore à voir ? Là-haut, il y a des choses. Là aussi. En effet. Et par contre, l'oxygène... Comment ça se présente? Tiens, de l'eau... J'en ai plus beaucoup. Et mon ballon d'oxygène était là. D'accord. Oui, c'était la salle de classe. On va le réalimenter. Voilà, on va le charger. En même temps qu'on le charge, j'en prends. Je suis sûr qu'il va aller... Ouais, c'est ça. Non, non, non. Je pensais qu'il aurait monté tant que j'arrêtais pas l'aspiration. Ça aurait été assez rigolo. Voilà, je dérive un peu parce que j'ai mon petit Nelson à côté qui fait des bêtises. C'est pas le but, c'est pas ton épisode. On ne joue pas à 4 quests. Ah bah viens. Allez, décide-toi. Hop. Voilà, nous avons Nelson avec nous. Installe-toi, petit jaloux. Alors, un cadavre ici, justement, on va l'examiner.
J'ai dû louper quelque chose. Hold on. The data analysis shows that this subject is 45 years old. This is an ordinary dead man with signs of drug intoxication. His body is reduced in half and he was killed in a sadistic way. It's all right. We've avoided a scandal. Il n'y a pas de cercle, on peut rien faire. J'ai quoi en main? Réparer outil, non. Par contre, j'ai bien une pince. On va essayer plusieurs trucs, hein. La perceuse, oui, je la veux. Est-ce que je peux te pincer? Non, on peut pas. Ok. On cherche un œil, donc c'est un cadavre qu'il me faut. Ici, c'est vu. Il n'y a vraiment pas besoin. 94 secondes. Cette zone-là, au-dessus, et c'est pas mal aussi. On ira à gauche après, là. J'ai dû aller trop vite, il y a dû y avoir un élément qui m'a manqué. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, mais il y a des caissons là. Il y a des choses, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Un baril de miel. Ouais, ok. On s'en moque un peu en fait. Oui, mais bon, j'ai besoin de... Est-ce que je peux... Oui, sans quitter la moto. J'avais oublié ça. On enquête, Nelson. Si tu vois un cadavre, tu me dis. Oh, je pense que l'épisode va durer une heure. Effrayant. Ok, ici. Qu'est-ce qu'on a, là? Personne. Il y a des trucs super sympas, je suis sûr. Il y a un cercueil, entre autres. Pince magnétique. Est-ce que je l'ai exploré, celui-là? J'ai gagné une bande. Ouais. Ça, c'est bien. J'avais donc pas fouillé ici tellement. Bac à ordures. Perceuse nécessaire. Des bacs à ordures? Oui, vraiment ordure. Je l'avais fait, ça aussi. On va s'éloigner, on se pèle les miches. Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Il semble que non. Oh, tellement trop d'infos. Cercueil. Déjà été ouvert. Bon. On a déclaré 92 secondes. Bien. Où est ma navette? Ma navette est là. Ah oui. C'est vraiment rapide de venir maintenant. On va y faire un tour vite fait à la navette. Et puis on revient au premier crime, vite fait aussi. Ça, je veux bien. Il y a encore des choses à looter, là? Est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Apparemment, non, il n'y a pas de cercle blanc. Donc là, c'est fini. Tout ça, on l'avait vu, hein, ouais. Marche arrière. Ok. J'ai juste vérifié les valises comme je suis revenu vite fait une dernière fois. Ah, il y en avait une fuite de bouchées qu'un chewing-gum, c'était pour ça en fait, c'est le même truc. Bon. Alors, oh, tous ces icônes, c'est carrément... Hey, hey.
Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce que je peux récupérer une valise? Beaucoup de sel, de nourriture, d'eau. Tiens, je prends ça. Gadget inutile, des pneus de quoi faire. Ouais, quand même du ruban. Ah, une peinture. Du métal. Je vais essayer de ramener des ressources en les compressant. Faire un ruban déjà. Adhésif, voilà. Non. Équipement. Un casseur. Plus utile. C'est quoi que j'ai ramassé? C'est du plomb. Ah. Oui, bah oui, alors c'est pas du tissu, c'est du plomb. Oui, bah on va le ramener. On va recommencer à faire un petit peu... On sait qu'on a d'autres ressources. Je reviendrai en off après si vraiment j'ai besoin. Le plomb, c'est énorme. Je m'y attendais pas. Et on a bien trouvé une bande chiffrée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, et là, on a des ampoules. Ok. Il faudrait boire. Comme ça, on va pouvoir refaire un peu. Le souci c'est la peinture, j'en ai que une. Bon. Ok. Où est la moto? Là. Il va vraiment falloir trouver cette personne, ce cadavre. On avait un cadavre là, on avait, je me souviens, les deux gars à la console. Puisque c'est ça l'objectif, c'est vraiment aujourd'hui l'œil. Bon, eux, non, il n'y aura pas d'œil. Est-ce que les ressources respawnent? Peut-être. Par contre, il y a vraiment du métal ici. On va aller vers la peinture, je pense. Chargement, il me fait peur. Non, on peut que le saisir. Est-ce que si je prends une pince? Non. Non. Ah bah je fouille là. Hein. J'ai dit aujourd'hui. Déjà de réparer la moto, de l'essence. Non, c'est top. Waouh. Ok, j'ai encore un, deux. On va arrêter de prendre du métal. Alors ici, avec quoi? Je coupe la lumière un peu. Le truc, c'est ça. On va couper les verres. On va les désactiver. Est-ce que c'est ça? Ouais. Les jaunes. Plus qu'un à 436 mètres. C'est de mieux en mieux. Je repère un peu. Non, il est toujours là, lui. Ah, c'est lui. J'ai de l'oxygène ici. Non, on va tout nettoyer tranquille, hein. Allez. Qu'est-ce qu'il manquait? De l'électronique, mais c'est pas trop là.
Et puis je suis full, déjà tout le plomb que je ramène c'est cool. C'est vrai que j'aurais pu dormir sur le lit. Vous pourriez le crier en commentaire. Il y a des choses là. En même temps, on est... Oh, en v'là. Oui, on te connaît, toi, mon grand. On te connaît, mais je suis en train de me dire que... Je ne peux pas scanner le lit. C'est en fait un épisode nostalgie, vous allez me dire, mais c'est important pour moi. On va essayer d'avancer le jeu complètement maintenant. Alors, le scanner, oui. Dis-moi qu'on peut scanner un lit. Non, par contre, on peut faire du repos. Voilà, mais on peut pas le scanner, c'est la mauvaise nouvelle. Bon, au moins, on a fait le plein. Très bien. Ça, c'est vu. Allez, on avance. On était là-dedans, on a vu ça. Le cercueil a été ouvert. Ouais, c'est marqué. On était venu de là. Dans cet endroit, dans ce fourbi, est-ce qu'on a un cadavre intéressant? Lumière. On a de l'oxygène pas loin. Ouais, donc on était rendu là, ça va. Ouais, la peinture par là. Ça commence là, la peinture. The shuttle was flooded with paint during the crash. Even the surface center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. J'ai un peu de place. J'ai pas vu ça, hein. The safe is private property, and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Breath Edge Global Funeral Agency, we care about your reputation. Un scan. Oh, mais c'est comme plus loin alors. J'avais pas vu ça. Et j'ai de l'oxygène à 135 mètres. D'accord, au-dessus. On touche à quelque chose, les copains. Ça y est. S'il y a un coffre, il doit y avoir le pilote. Qu'est-ce que c'est que ce logo de pirate? Ah, bah dis donc. Voilà. Est-ce que je vois un cadavre avant de mourir? J'ai pas l'impression, hein. On peut pas pivoter. On n'a pas d'entrée. On a un coffre ici. Ok. Il y a un objectif là. Ah! It's probably the owner of the shuttle with paint. He was engaged in illegal pumping during the crash, judging by the traces of paint on his hands and a huge hose stuck to his face. Ok, on a trouvé, je pense. Je suis passé complètement à côté de ça. Merci Julie, hein. Hop. Allez, on recharge. C'est la super nouvelle. Alors c'est vrai que vous préférez prendre les générateurs d'oxygène directement dans la goule, le casque, hop. Moi je préfère charger et être tranquille tout le temps. Oui, bah oui, oui, je ne t'avais pas trouvé mon gars. On va ouvrir le coffre à côté, ça va être bien. On va virer des choses. Hein. On va virer du métal, je pense. Alors, on descend. Ok, doucement, cisaille. Ah ouais. Neutralisé, oui, on sort le poulet. Mais oui, c'est l'œil. Qu'est-ce que je prends? Un œil, bah ça y est. Et la musique s'est coupée. Oh. On voit la cornée. Et voilà, après 40 ans, ça s'aplatit un peu, on voit plus rien, on devient presbyte. Nom de Dieu, je l'ai dit. La rumeur dit que les contrebandiers peuvent ouvrir une serrure avec un scanner de rétine. Je ne sais pas comment ils font. Mais c'est probablement des yeux. Je devrais essayer maintenant que celui-là est tombé. Eh ben, on va le prendre. Oui, succès débloqué, contrebandier. Ah bah alors ça,
ça, honnêtement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, ma mobilette de l'espace, elle est là. Est-ce que j'ai d'autres choses à voir ici? Les ciseaux, on s'en moque. On va faire le scan. Pour tester, ça va être fait pour ça. Pour s'habituer. Et on sait maintenant où on va aller faire ça. C'est génial. Alors, est-ce qu'il faut l'avoir en main? J'ai mis l'œil sur le poulet, ça a marché, qu'est-ce que c'est? Peinture au plomb. Qu'est-ce qu'on va lâcher? Dac. Dac. Je suis content. Ah bah c'est un succès. Eh bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vais retourner tranquillement à la base. Je ferai un tour pour le plomb, la peinture ici. Et au prochain épisode, on ira peut-être avec l'explosif et se promener vers les petites sondes, les petits capteurs. Voilà, c'était Camon pour vous dans Breath Edge, 18e épisode, et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde. Et...